choses que j'imaginais pas entendre dans ma vie. Une patiente chez un confrère qui lui a dit « Mais vous me devez un masque, je suis cliente chez vous depuis 30 ans. Bah tiens, votre préparatrice, elle a quand même donné le sien. » C'est incroyable d'entendre des choses pareilles. Dans les situations de crise, il y a parfois des comportements qui se révèlent, qui sont assez terribles à voir. Oui, régulièrement, on est obligé de se fâcher avec des patients qui ont tous les symptômes. Il n'y a pas forcément de test de famille, qui ont un tel faisceau de symptômes qu'il y a peu de doutes possibles, et qui rentrent au mépris de toutes les barrières et toutes les protections qu'on a mises en place, en nous disant bah, « je suis Covid+, je viens chercher mon traitement ». Et donc là, on se fâche véritablement parce que ce sont des patients qui s'approchent trop des autres et qui sont dangereux pour les autres. Nous avons été confrontés à plusieurs niveaux de demande. La première, c'est la demande spontanée, c'est-à-dire le patient qui vient même sans ordonnance. J'ai même un patient qui n'est jamais sorti de chez lui depuis 10 ans juste pour faire ses courses et qui me dit « mais j'ai attrapé le paludisme, il m'en faut », parce qu'il avait entendu que c'était un médicament qui était antipaludéen. Donc voilà, on a des choses dont on préfère rire, hein, parce que tant qu'à faire, vaut mieux en rire. Des fausses ordonnances aussi faites parfaitement. Il faut vraiment avoir le nez fin et appeler le prescripteur pour s'assurer de la validité de l'ordonnance. On perd du temps, on argumente, on négocie. Voilà, ça c'est compliqué pour que de toute façon, au final, le résultat soit non, on ne délivre pas, puisque la législation aujourd'hui l'interdit. C'est un traitement qui est hospitalier. On est parfois pris entre deux feux. Et ça, c'est compliqué humainement à gérer. Ça nous met toujours dans des positions délicates, notamment des médecins, par exemple, qui travaillent dans les EHPAD et qui nous demandent des stocks de morphine pour des patients parce que bah, pour gérer les fins de vie, la morphine va être importante. Or, nous, dans la législation, on ne peut pas délivrer de morphine sans avoir une ordonnance nominative pour un patient en particulier. Donc pour nous, humainement, c'est très compliqué à gérer de vouloir bien faire, vouloir faire plaisir, vouloir être efficace, vouloir faire le job et avoir des contraintes qu'il faut qu'on se mette en difficulté si on essaye de rendre service et d'être dans notre travail de soignant.